Eh bien, nous revoilà pour une petite vidéo autour de la carte microbit que j'ai eu la chance d'utiliser dans déjà deux petits ateliers avec Mixtine. On s'est pas mal amusé avec l'accéléromètre, à afficher des flèches en fonction de l'inclinaison, des choses comme ça. Et là, je m'étais dit que c'était l'occasion de passer à un petit peu plus en utilisant l'Inverters Kit, qui va permettre à l'aide d'un connecteur de fournir un petit peu accès à toutes les broches supplémentaires disponibles sur la microbit, et puis avoir une platine de prototypage pour aller brancher des LED, des résistances, un tas d'autres choses. Donc je voulais vous montrer un petit peu le contenu de cet Inventors Kit que j'ai reçu cette semaine. Donc, très important, il y a un superbe manuel avec illustrations, explications, exemples de programmes. Avec plein d'idées donc pour utiliser les composants qui sont fournis dans le kit. Donc il n'y a pas dans celui-là, il n'y avait pas la carte microbit, mais j'en ai déjà une à côté. Et donc voilà, c'est à assembler, hein. Je vous montrerai ça une fois que c'est fini. Mais l'idée, c'est d'utiliser ce connecteur qui va permettre en fait de brancher la carte microbit. Voilà. Après, on va l'assembler et puis on va faire en sorte qu'en fait les différentes broches du coup exposées ici vont pouvoir être utilisées avec tous les composants. Il y a des petits câbles ici, voilà, tout ce qui est des LED, il y a un petit buzzer, il y a un capteur d'humidité, des petits moteurs, il y a un tas de petites choses pour s'amuser. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu le contenu et puis une fois que j'aurais pu assembler déjà un minimum, on fera, je pense, quelques-unes des expériences fournies dans ce livret qui est vraiment très très bien fait. Il y a en plus des exemples avec différents types de langages. On verra, on fera peut-être même un peu de micro-python avec. On verra ce qu'on peut faire. Je pense que ça devrait être sympa. Voilà, amusez-vous bien en attendant.